J'aimerais bien croire que tous les enfants naissent égaux au Québec, mais c'est loin d'être le cas. Qu'on parle de santé mentale, d'accès à l'éducation ou à trois repas par jour, un nouveau rapport de la santé publique de Montréal dresse un constat troublant. Marie-Lise Mormina. La Santé publique de Montréal dévoile un nouveau rapport sur la santé des enfants de 0 à 12 ans. Les grands indicateurs de santé euh, de nos enfants sont quand même assez stables. Il n'y a pas de détérioration là, majeure, mais les inégalités nous préoccupent, les inégalités entre des groupes et entre des territoires, et c'est là-dessus qu'on va vouloir travailler. Parmi les inégalités qui préoccupent la santé publique, il y a d'abord l'accès à des logements abordables et salubres, le revenu et l'insécurité alimentaire. Euh, le Canada est un des seuls pays de l'OCDE qui n'a pas de programme euh, alimentaire scolaire universel. D'ailleurs, Québec Solidaire a détaillé son programme d'alimentation en fin de semaine. Le but, offrir des lunchs dans toutes les écoles publiques de la province. Un enfant sur cinq en insécurité alimentaire dans les écoles du Québec. Imaginez ce que ça donne sur une classe de 25. Imaginez ce que ça donne dans une école de 500 personnes. Imaginez ce que ça donne à la grandeur du Québec. Les parents montréalais sont aussi plus stressés qu'ailleurs au Québec. Isabelle Bien est la directrice générale de l'organisme Répi Providence. Il a pour mission de protéger la petite enfance et de prévenir l'épuisement parental. Elle remarque aussi que des parents sont surchargés. Ton enfant a des difficultés en classe, t'as pas les services, etc. Alors c'est sûr que t'es prise avec une multitude de problèmes qui fait en sorte que les parents se sentent dépassés. Il y a aussi la question de l'accès à des services de garde éducatifs de qualité. À Montréal, il y a 31 moins de CPE qu'ailleurs en province, mais 55 plus de garderies privées. On constate qu'il y a vraiment une distribution qui est inéquitable dans le... les places en CPE à Montréal. Donc, selon les quartiers, dans les quartiers plus défavorisés, on a des taux de places qui sont beaucoup plus faibles que dans les quartiers favorisés. Parmi les pistes d'action proposées, il y a celle d'ouvrir de nouvelles places en CPE. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelle, Montréal.